Na koloba biloko wana nde bisika to uchuko yoka awa. Il pare nenge na uchuko yoka. Procureur de la CPI Azaki Nakata RDC. Qu'est-ce que le procureur de la CPI est venu faire Nakata Congo? Regardez cette vidéo. Après, toujours en abino. Non. Qu'est-ce que le procureur de la CPI a évoqué à RDC? Suivez la vidéo ici. I'm here in Bunia because we have jurisdiction in terms of the crimes, war crimes, crimes against humanity committed on the territory of the DRC since 2002. And the International Criminal Court has had spent a lot of time over these almost 20 years dealing with cases. Five cases have been brought, warrants have been issued, and there have been three convictions. But we've seen that crimes, unfortunately, continue to be committed. Little girls, women, boys, men, continue to be raped or killed in a way that is unconscionable. And I'm here at the invitation of President Tshisekedi, pursuant to my own independent mandate to build partnerships. We must surely find a better way of doing things, working with the government of the DRC, with the United Nations, with the African Union, to finally end the misery that is the lives of so many people of the DRC. And I think we're looking at how that architecture should look, and how we can work together in a way that is more effective than the way we've worked over these past years. But ultimately, what we have to do is deliver. Talk less and act more. The promise of never again is not the lived reality of the people of the DRC. They're living with insecurity, they're living with terror, they are at risk of sexual and gender-based violence, and I think this trip here in Bunia is to build that partnership so that we can start acting. Voilà. Le procureur de la CPI à Kinshasa, à Yéna Congo. Il est venu faire quoi, ce procureur? D'ailleurs, dans la dernière meeting à Bango, il a rencontré Félix Tshisekedi aussi. Vous pouvez peut-être voir la vidéo. Rencontre à Félix Tshisekedi avec le procureur de la CPI. Ce ils ne doivent pas rester. Voilà. Ndeka procureur à lobby. Et que non, bah, crime, à Congo, faut pas l'andé l'ango, il faut pas bouger, bah, ligne, faut pas salaboyer, faut pas zongi saboyer, parce que en tout cas, ma kamba RDC est oumeli trop, bah, bah, namiki, bah, zoza la violer, bah, femme, bah, zoza la violer, trop les déplacer, il faut pas l'andé l'ango, bah, crime, ouane, ça, man, à Kata Congo, bah, louka, bah, auteur, bah, salango, il faut pas juger, ango, bah, pin, bah, donc, impunité, faut s'il en a Kata Congo. Vous, au moins, la procureur, la bureau, la Félix Tshisekedi. Alors, la grande question qu'on doit se poser, si ce procureur est venu en RDC, il est venu pour s'enquêter, parce que dans le cas où il y a un crime, je crois, il y a 2020, 2021, 2022, 2023, je ne sais pas. Même si on va rentrer vers 2002, parce qu'il est parti à na Bukavu, à Kena Goma, à Kena Ituri, tout ça. À Tambola qui va côté wana. Nani a bengi si procureur Oyo ti aya na kata RDC. Nana bengi si. Mouta bengi si procureur Oyo aya na Congo, c'est bel et bien Félix Tshisekedi le même personne. A bengi si et pourquoi? Et c'est ça la vraie question que vous devez se poser. Pourquoi Félix Tshisekedi a fait appel à ce procureur de la CPI au Congo? Qui a payé le billet d'avion? Qui a payé le frais de ses missions, de sa mission au Congo? C'est le gouvernement congolais. Montant, oh, bah, si pour que le procureur là, de la CPI arrive au Congo, le montant est inconnu. On ne sait pas combien ils ont sorti de l'argent pour ne pas appeler ce procureur de la CPI à Yanakata Congo. Les jours à venir, ou les années à venir, on découvrira les montants sortis par le gouvernement congolais pour faire appel à ce procureur de la CPI en RDC. Maintenant, la mission, il est venu faire quoi? Est-ce qu'il est venu arrêter Joseph Kabila? Est-ce qu'il est venu enquêter sur les gens qui sont tout autour de Kabila? Oh, bazar qui peut mener à Kabila. Parce que ce malobi ming impunité, ce total bien, ils ne vont pas peut-être
poursuivre les gens qui ont travaillé avec Félix Tshisekedi pour le moment. Bagolandela mingi mingi bato basalaka na régime ya Joseph Kabila avant. Alors boyebi batwana, boyebi bakombo na bango, boyebi bango ndenge bazali. C'est-à-dire peut-être la majorité na bango bakozala na ba problème. Mais Félix ne doit pas oublier que tout autour na yepe ba criminel bazali. Ce bazui lokola mbwisa na mwisi, c'est un criminel. Mwisa na mwisa participe à peine à la rébellion belé contre la RDC. Il y a beaucoup de belé, baza peme na Félix va participer à la maman belé. Est-ce qu'il va les livrer ou bien il va les protéger? En fait, l'arrivée du procureur de la CPI au Congo, un, se faire peur à Joseph Kabila. Que non, ce que vous voyez, c'est deuxième mandat. Ce qui est Kabila, il y a un signe, mais il y a tout le monde qui peut être livré à la CPI. Il y a un livré. Ou un message à Liboso Félix a pesi na clan ya Kabila. Soki bobo yuko tike langa deuxième mandat, ndenge na zon ingana sala yango, boye barango ke, batebele baza pe mena bino ba okende sepe. D'ailleurs, lobi tout ça qui surpris, ndenge ba informe biso, ke biro ya Jeannette Kabila, ezala ki menace. La fondation Musée Laurent Désiré Kabila a été attaquée dans la nuit du jeudi à ce vendredi par des hommes en uniforme, alors que sa présidente Jeannette Kabila se trouve à Lubumbashi pour les obsèques de sa tante, dénonce un proche de la famille Kabila. Jeannette Kabila à Lubumbashi. Et Félix Tshisekedi a envoyé les gens pour attaquer le commando. Oh, bah, ça qui même la garde de côté, on a maîtrisé, bango, pas, bah, élément, on a, bah, qui, côté, à y'a Kopanza, fondation, à musée Kabila. Félix Tshisekedi, ma salle, en haut. Obi que premier, et l'autre, Félix Tshisekedi, la salle contre Kabila. Obi que, à Boma, côté, à Mausolée, à Laurent Désiré Kabila. Kabila, Félix, à Boma, en haut. A tika, en haut, comment le gros, la passage, moko simple. Or, que Zayaki, bah, lié, moko, bah, tchèque, en haut, symbolique, protégé. Félix, tant, a commis le pouvoir, à Bomi, en haut, et l'autre, à Liboso. Oh, et là, qui c'est qui signe, à ma bec, à Zoya, à Rosala contre Kabila. Et l'autre, à Liboso, et à signe, voilà. T'as là, le roi, comme il commence, fondation, à Mouze Kabila. Oyo, bah, t'y qu'il a eu pouvoir, à Kabila, n'est-ce pas, lobby. Donc, arriver à procurer à ce pays, un, c'est un message contre Kabila et contre son entourage. Ceux qui m'ont mis, n'a qu'au livrer bino dans ce pays. Oh, Félix Tshisekedi, à Okanga, et oh, pour ma pini, bah, Rwanda. Ça, c'est les dimensions, c'est de la manipulation. Il va arrêter les Rwandais par rapport à quoi? Qui va aller arrêter les Rwandais là-bas au Rwanda? Le procureur va demander un mandat d'arrêt contre Kagame. Vous y croyez? Vous savez que vous avez besoin de c'est que nous devons comprendre le système politique international. Qui va arrêter quel procureur qui va délivrer un mandat d'arrêt contre Kagame? À en délivrer, on est. Il n'y a rien qui va se faire contre Kagame. Et n'attendez pas que le procureur de la République, comme a dit qu'on s'en contre Poutine, a qu'on s'en contre Kagame, a délivré ou bien a lancé. Mandat d'arrêt contre Kagame. N'attendez pas ça. Si vous avez besoin, c'est l'ango. Vous avez besoin de l'ango. Vous avez besoin de l'ango. Vous avez d'ailleurs, Kagame, le Rwanda, signataire de traité de Rome. Est-ce que vous voyez bien? Les Congolais, vous voyez bien que le Rwanda n'est pas signataire de traité de Rome. Donc, tout ce qui se passe au Rwanda là-bas, n'a pas besoin de l'ango dans ces pays. Ça lui regarde pas, ça lui concerne pas. Mais ceux qui nous ont dit, oh tout Félix, ça nous a dit, ça va aventure. Il y a une hypothèse à Rolobake, non? Procureur a eu pour enquêter Maramba Rwanda. Bon, on a une hypothèse, on a. Le procureur Rwanda a eu pour enquêter pour Maramba Rwanda. A eu pour un camp, il y a Joseph Kabila. Menacer le camp Kabila. C'est comme ça que Babengi si procureur Rwanda. C'est pas pour les Rwandais et les Kagame. Non! Oh, pour les militaires rwandais, non! Vous croyez que le procureur peut délivrer un mandat d'arrêt contre un militaire rwandais ou James Kabarene, peut-être, après balancer en haut, pour mon IP, Paul Kagame, après si bango, James Kabarene, vous y croyez? Tout ça, c'est la manipulation. Les Rwandais soutenus par qui? Mais les Rwandais soutenus par ces multinationales là, non? Il y a procureur, Azali British, Azali anglais. Est-ce qu'il y a yébité que les Rwandais sont soutenus par les multinationales? Aïe bien noté que la France, la Belgique, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, bangonde baza sima Rwanda, na ba pays tout wana, ba matière première baza osa la mituka, ba bloke bele ba téléphone, et ou tagap na Congo, non? Et transita na bamboka na bangonde ngini, nengi ni bango bazula kango, na ba compagnie nini bazula kango. Ba minduke zo outa na Congo, zo outa ap, na bamboka na bango, non? Et zo go transite na ba pays nini, pe koma na Congo. Ba nani bazo teke la bango, ba yebi angote, ba yebi.
Tous les aventures, oh Félix, il vient de dépenser encore somme colossale pour rien. Il y a combien que ça procurait, Rwanda. Peut-être, va contrer Kabila pour battre qu'il est deuxième mandat. Peut-être, juste que pour ça. Là, peut-être, voyage n'est pas qui est-il. Mais en dehors de ça, le procureur est venu faire le tourisme. Procureur, on a ces pays, avec ça, le tourisme, et avec le ben dans l'art, il y a Pamba, oh, il y a Congolais, où tu peux déposer dans la plaine, dans l'air. Bokoyo, que l'autre côté, s'il voulait faire plaisir, le roi va apprécier l'art, avec ça, deux mandats ou trois mandats d'arrêt, ou trois mandats qu'on lançait contre les clans Kabila pour la bâtine d'Abango Tato dans ces pays. Or, c'est une haute trahison de la part des Africains. C'est que Félix, c'est qu'il veut commencer avec la CPI. Tous les pays africains, même le Burundi, là où il est venu, il est parti faire le sommet à 21e sommet à EAC. Burundi, à Longwa, même dans ces pays, à Longwa, dans Mamba, ces pays. Batutu, Balingi, sous Mamba, ces pays, parce qu'on juge que des Africains et on ne juge pas les siens. Il y a Bango, Bajijagate, Karab, Africain. Le président Bélé, Babi, Torodinga, sous Mambouté, on ne va plus livrer nos concitoyens vers la CPI. Mais Tana Félix, il veut justement, pour un deuxième mandat, arrêter les gens de Kabila. Même peut-être mettre la main sur Kabila pour l'envoyer dans ces pays pratiques à la libre. Il s'est inspiré de ce qu'ils ont fait avec Jean-Pierre Bemba en 2006. Pour que Félix Kabila reste au pouvoir, qu'est-ce qu'il a Kabila reste au pouvoir, il a fait quoi? On a arrêté Bemba, on a envoyé à la CPI pour 10 ans. Et Kabila était resté tranquille, dirigé. Et Félix veut s'inspirer de cela. Qu'on arrête Kabila, qu'on envoie Kabila à la CPI pour que lui reste au pouvoir pour plus longtemps possible. C'est ça la méthodologie. Mais ce n'est pas un dossier de la CPI contre le Rwanda. Parce que je vous garantis ici, aucun militaire et aucun dirigeant et aucun monsieur du Rwanda à aucun de ces pays n'a bloqué Félix Assali. C'est la pire bêtise. C'est justement contre Kabila. Mais Mbongo est venu pour procurer le Rwanda et le Congo. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Mais on verra la suite. N'ango n'enge kozala. N'aba menace n'enge zakoya. Et belé belé. Mais, bande konangai, et l'on gana web sabino awa. Boyo gana no ministre n'ango ya justice, ya Congo. Oyo, a ke kote sa, dossier na se pays. So va bengisye ya ko justifié na se pays na ebite so wakoya. Ou bien bako luka ba voka ya Congo ne bako justifié wan. Boyo gana no ministre n'ango ya Congo. Juridiction. Des droits communs puissent être désintéressés par les dossiers ayant trait aux infractions pénales. Et cela, je vous assure, n'a créé des confusions voilà. Dans les têtes des opérateurs judiciaires. Moutabouenda, on ressemble dans ces pays contre les bateaux, contre les dirigeants de Rwanda. Mawatro bandeko nanga mawatro peuple congolais kumona makambu oyo ezakoya nakati ya RDC. Alors je crois oyo wana na uchukola kisabino marche ya opposition oyo ekosalama a très bientôt, mais je voulais